Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded. Lors du dernier épisode, on avait enfin tabassé cette Wyrm dégueulasse. Et là, nous sommes repartis à la recherche de l'ambre. On en avait trouvé et il nous manque 4 ambres pour pouvoir améliorer l'hôtel. Alors ce serait quand même un peu con. Vous en conviendrez? Ce serait dommage. Et pour moi, c'était par ici, mais je la trouve pas. Attendez, si c'était par là. Je suis persuadé que c'est par ici. Hein, donc, si c'est pas par là, eh bien, ce sera de votre faute. Ce sera de la faute du viewer. Évidemment, puisque le viewer est pas absent et les absents ayant toujours tort. C'est ça. Je me fais attaquer par des poumbours. Le gant de guerrier, je ne sais même plus de quoi je suis équipé moi en ce moment. Mieux à mon avis. Non, exactement la même chose. Ah. Juste exactement la même chose. Alors. Bon, la Wyrm, on l'a un peu, on l'a un peu détruite quand même. DG. Hein. On est passé de un boss presque impossible à. Easy peasy. C'est ça. Ça, c'est pas de l'ambre, ça. On est d'accord. Non, ça, c'est de l'argile. Ma mère, je retrouve pas l'ambre. Ah. Ça, c'est con. Parce qu'on en a besoin. J'ai 11 ambres ici dans un coffre. Ouais, mais il en faut 15. Ah oui, d'accord. Donc, c'est bien ça. Alors, t'es dans quel coin, toi? Je suis parti au nord. T'es au nord, d'accord. Bah, je vais prendre la même maison et je vais partir à l'est. Embrumé direct là comme ça. Ah oui. Voyons voir. Ah oui, je leur fais 22 points de dégâts par seconde. Voir, c'était dans le. Ah, c'était peut-être là. Avec mon aura. Ah oui. Ouais, 22 points de dégâts. Dans l'idée, c'est pas mal. Ouais, la vie font quand même pas mal. Mais bon, c'est que sur les déchus, hein, donc. Oui, bien sûr. Et ça peut crit, d'ailleurs. Intéressant. En fait, ça fait 16, et quand ça crit, ça fait 22. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, il y avait une petite maison ici, c'est vrai. J'ai retrouvé notre petite maison, là. Ouais, bah c'était pas loin, non? Bah du coup, ça doit pas être loin, ouais. Je sais qu'on avait... ça, avec des poumbours. Je sais qu'on avait sauté, et on était tombé dessus. Énormément de machin. De... Que j'avais ouais, dit, c'est quoi ça? Et on a dit ah, de l'ambre. Bah. Tu l'as? Alors je sais pas si je l'ai. Je suis retombé sur le camp d'où on vient. D'accord, ok, parfait. Ah. Camp de la menuiserie. Tour des anciens, bois envoûté. Bah bien sûr, on était reparti de la tour des anciens. On avait sauté vers le nord-est. Et voilà. Je me suis pris un coup de défense de Poumbours dans le cul pendant que je me téléportais. Ah ouais? Ouais. C'était très agréable. Pour moi, c'est ici.
Et on a sauté, tu vois, pour rejoindre là-bas. Pense. Puisque d'ici, on était parti directement pour rejoindre le... On n'avait pas encore nos planeurs améliorés, par contre, hein. Ouais, je sais. Du coup, on tombait moins loin. Et pour moi, on est là. On est dans ce coin-là. Nouvel emplacement cartographié. Ouais, il y avait une chapelle de la flamme. Encore. Donc, tant qu'à faire. J'ai été la chercher. Ah bah oui. Hein. Ah, ça marche même sur les plantes, tiens. On aurait dû le noter sur la carte. On avait mis une maison, hein, je crois. Ou presque. Hein. Ouais, mais il me semble qu'on l'avait retiré, non? Ah oui, on l'a certainement retiré à un moment. Donc c'est ça le truc. Alors, je suis ici. Vous êtes ici. Et moi je suis là. Attends, je m'approche de toi. Je cours vers toi. Ah! Je tombe dans un trou. Tomber dans le vide, vide. C'est ça. Tout à fait ça. Mais toujours le point levé. Y a un truc rouge ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une route. N'est donc pas de Et trois l'ambre. poum bourses. Mais il a pas d'endurance ce truc. 150 de durabilité max. Ah oui, d'accord, ok. De quoi, hein? Le truc. Le rasoir de Tula ou je sais plus quoi là. Ah! De Lupa. Le scalpel de Lupa. D'accord. C'est un rasoir, c'est pareil. Il a que 150 de durabilité. Donc en fait, je le casse à une vitesse hallucinante. Tu m'étonnes. Après, c'est un rasoir, hein. Tout à fait. Alors. Je suis persuadé que c'était dans la brume aussi. Oui, c'était dans la brume. Là-dessus, je suis pas complètement fou alors. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? En tout cas, je récupère de la brume liquide. Au passage. Oh! De quoi, hein? Des gens bizarres ici. Des espèces de squelettes. De quoi? Ah oui, c'est pas les mêmes, hein. T'as besoin d'aide? Pour le moment, ça va. Si je fais pas trop le con, ça passe. Mais je vais les farmer un peu parce que ils donnent du sel. Ah. Alors on dira pas d'où il vient, hein, mais. Oh, tu sais, du sel, c'est du sel, hein. Je suis dans un cimetière.
Dans un cimetière? C'est peut-être pour ça que tu rencontres des squelettes. Tu crois? Bah écoute, souvent, dans les cimetières, il y a des squelettes. Non, je suis reparti de là où il y avait le dragon. Tu ouais. sais? De la capitale. Est-ce que c'était en allant à la capitale, non? C'était en allant à la capitale. Ou alors c'était en allant aux racines de, aux différentes racines de brume qui sont là et du coup ce serait par ici. Je vais essayer d'aller voir par là. J'entends le viewer se moquer. C'est pas gentil. Oui, c'est ça. En disant mais ils sont cons, c'était pourtant là. Ils sont passés 20 fois. Bah oui, comme d'hab. Hein. J'adore le bug du planeur. En tout cas, je récupère aussi des sacs de brume en tuant des plantes. Oui, pareil. Ça permettra de j'ai faire trouvé des... un endroit où il y avait 5 plantes autour d'un truc. Je vais donc casser le truc, hein, parce que... C'est juste du bois et je suis déçu. Alors... Je sais que c'était sur un affleurement oh, rocheux. Petit saligo. À toi aussi. Ouais. Il me jette des trucs à la tête. Je n'aime pas ça. Les seules choses que j'autorise comme jette à la figure, c'est l'argent. Ce sont et les encore. Billets de banque. Bah écoute, ça fait toujours plaisir un petit billet de banque. Oh oui. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'argile. C'est donc pas ce que l'on cherche. Tout à fait. Bon, ce serait pas là. Que j'ai retrouvé. Ah ouais? C'était pas à côté de la ferme. Une la ferme, ferme une ça ferme, me dit rien. Une ferme pleine de mecs déchus. Ouais. C'était pas là. J'ai. Ah punaise, saloperie! Oh, une monstruosité des déchus. Oh, une... Voilà. Alors, j'ai trouvé une racine de brume, mais elle est au milieu de, du rouge. Donc, je sais pas si je vais réussir à aller... Jeter des grenades. Attends, mais on l'avait faite, celle-là! Non, il y a un truc, ils ont fait une mise à jour qui a bugué, c'est pas possible. Pourquoi? C'est bon. J'ai combien d'ambre? Ouais. T'as plein d'ambre? Ouais, j'en ai assez. J'en ai pas plein, j'en ai assez. D'accord. Bon, bah, je vais ressortir de là, du coup.
Je sors de la brume dès que je peux trouver quelque chose pour m'aider à sortir de la brume. Je vais faire de même. Ok, là je suis plus embrumé. Je suis juste... Je crois que j'ai juste les pieds qui sont dans la brume, tu sais. Ah ouais. Ouais, en fait, je suis monté sur un caillou. J'ai tapé un coup de pioche dans la montagne. J'ai sauté dessus. Et je n'étais plus embrumé. Renforçage de la flamme. La flamme est renforcée. Ouh. Bon, maintenant, il nous faut des viandes de champignons. Ouais, à la viande, à la menthe là. Ouais, viande de champignons à la menthe, os fossilisé, des étincelles, des glandes d'ammoniac, du minerai d'étain, du rooibos et une tête de monstruosité déchue mais différente des autres. D'accord. Du coup, Qu'est-ce potentiellement, certaines brumes mortelles ne le sont plus. qu'il y a? Bah écoute, on va aller faire un On est test. d'accord sur le principe ou... Bah techniquement, on a une meilleure résistance à la brume, oui. Donc après, je sais pas à quel point on est plus résistant à la brume. Bah go faire un test. Hein. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. Hein. Je suis parti à l'alchimiste là, au chaudron. Ah bah c'est ce que j'allais faire. Tu me tiens au courant? Oui. Après je sais pas si c'est le level juste au-dessus d'une autre ou pas, mais... Ok. On est d'accord que c'est de la merde par rapport à ce que moi j'ai combien moi? 33. Oui, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Effectivement, je suis juste embrumé. Ah nice! Attends, j'arrive. Yes. J'arrive, j'arrive. J'ai fini de ranger mon bordel. Bah, tu sais quoi? Je repasse par la maison parce que il faut que je range mon matos et puis que je répare le reste. C'est bien ça si on est juste embrumé. Aïe! Donc on va pouvoir se faire quelques... on va pouvoir aller se balader un petit peu dans la brume rouge. Dans l'ancienne brume rouge. Ah, le nombre de blocs qu'on peut construire maintenant. En os, en bronze, en muraille, en cuivre, en pierre chic, en brique, à pan en bois, en calcaire, luminescent, métal, mycélium, pierre raffinée, bois raffiné, pierre standard, pierre de silex... Pierre brute, bois brut, bloc de bois et bloc de bois goudronné. Bonjour. J'ai chopé quelques flèches. Je vois ça. Là, c'est marrant, j'ai les textures des coffres qui se chargent pas. Du coup, je sais pas si c'est marrant, mais... J'ai certaines textures qui se chargent pas. On a du cuir. Wouhouhou. Mais j'ai beaucoup de textures qui ne chargent pas quand... tu sais, quand je fais des voyages rapides. Ah oui. Ça peut jouer peut-être. Je sais pas si l'ordinateur... Mais tu sais, des fois il met un peu de temps à les charger, mais là il les chargeait vraiment pas. C'est très marrant. Ah, on est juste embrumé maintenant. Très bien. T'es déjà sur place? Ouais. J'arrive. On va pouvoir se balader un peu dans la brume rouge. Enfin, dans certaines brumes rouges. Ah bah oui, elle est passée verte maintenant. Enfin, bleue. Elle est plus rouge. Ou alors c'est parce que je suis trop loin et donc il la met... Il cherche pas toutes les couleurs? À voir.
Peut-être que maintenant les brumes rouges elles deviennent bleues. Elles sont plus rouges peut-être quand elles sont plus mortelles. Peut-être. Ce qui donnerait un très bon indice visuel d'ailleurs, pour savoir si tu peux y aller ou pas. Oui. Ouais, non, non, c'est ça. Elle est plus rouge. Il n'y a plus du tout de rouge. Donc c'est un indice visuel. Sympa. C'est vachement bien fait. Ça, c'est vachement bien pensé de leur part. Tu regarderas sur l'épisode 18. Je crois que c'est le 18. Mmh. La brume était rouge, là. Et là, elle est plus rouge. D'accord. Bon, bah, c'est au centre, hein, on le sait. Oui, des chances. Hein. Berceau du crépuscule. Emplacement ci-dessous. Trouvé. Avec la monstruosité des déchus. Et elle est vraiment dégueulasse. Attention, ouf, oulala. Aïe. Attendez, bouge pas, je mange un morceau. J'ai pris les 30% de dégâts en plus. 30 secondes. Ah, je suis mort. Ah, je peux pas te raise. Ça va pas être possible, monsieur. Attends, je fais un hip-hop. Ouais, là-bas. Bah en fait j'ai été bombardé, je me suis pris tous les missiles dans la face. Ça pique. Ouais ouais. Bah je me demande si c'est pas cette tête là dont on a besoin pour le niveau d'après. La tête de ce monsieur. Il fait pop des mouches. Ah. J'arrive. Mais des mouches comment? Des mouches. Il est toujours vivant? Ah, t'es mort? Non, t'es encore en vie. Ah oui, oui, non, non, moi ça va. Hein. Ah vas-y, je vais te laisser tanker 2 minutes. Il a fait apparaître une mouche. Ah bah oui, évidemment. Il a, il a fait apparaître une mouche, mais juste devant moi, dans ma zone de tir. Oui, oui, a priori il est fait apparaître par plusieurs. Il est décédé. J'arrive pour Thérèse. Ressuscitation. Ressuscitage. Hop là. Merci. De rien. Ramasser. Oui, c'est bien cette tête-là dont on a besoin. Et on a chopé le truc. Bah voilà, ça c'est bon ça. On n'a plus qu'à se casser. Ah oui, donc en fait, c'était pas juste aller chercher le truc au centre, hein. Il y avait un boss. Ok. Bah on va rentrer à la maison tout de suite, pour faire ça tout de suite. Attends, j'ai comme un doute. On peut faire des antiseptiques! T'es rentré? Oui. Oh! Au nom de Dieu! Oui, J'ai pourquoi? trouvé l'étain! Ah! Bah très bien! Je sais maintenant à quoi ça ressemble. Vous avez ce qu'il faut, sang de flamme! Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur minerai de fer peut être récolté à la mine de Richback, profondément sous la brume. Très bien. Le chaudron noir, une station d'alchimie, oui. Je
Chaudron noir et sa forteresse, évidemment. Hein. Ah, tu sais que je l'ai. Hein. Ah oui? Ouais, j'ai les deux bouquins. Fantastique. Ils valent le coup, au moins? Je les ai pas encore faits. D'accord. J'avais pledge le truc du deuxième bouquin. Parce qu'en fait, ouais. J'avais loupé le premier. Et j'ai pledge le deuxième bouquin et j'ai eu le premier en édition collector. D'accord. Parce que j'ai payé pour. Donc, on pourra faire des antiseptiques et de la base d'alchimie. Avec de la brume, du mycélium, de l'eau et des spores. Bon, je vais ressortir de là. De toute façon, moi, je tape avec ma pioche en pierre. Ça sert à rien. Alors, est-ce que c'est bien cette tête-là qu'il nous fallait? C'est bien la tête qu'il nous faut. Fantastique. On a déjà la tête pour le prochain niveau. Très bien. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. Parfait. Je regarde ça dès que on j'ai... On avait parlé d'étincelles. Ouais. Alors, il faut... de la viande de champignons à la menthe. Bon, ça, on sait où en trouver. Des os fossilisés, on sait en trouver. Il nous faut 15 étincelles. Encore. On en a 5, il en faut 20. Il faut des glandes d'ammoniac, de l'étain et du robios. Du minerai d'étain ou de l'étain en barre? Minerai d'étain. Il en faut 20. Mais tu m'as dit que tu savais où en trouver maintenant. Tout à fait. Et lui, je crois qu'il nous a donné un endroit, voilà, le cœur de fer. Il avait l'air de dire que c'est le meilleur métal, donc certainement l'étain. Des barres de bronze et des barres de cuivre. Ah oui, on n'a pas les outils de forge. Pas encore. Non, il faut faire la quête du forgeron. Et je suis... Elle a repoussé. Quoi donc? Bah la truc de brume que j'ai eu à la grenade, elle a repoussé. Ah. Et je peux pas la casser. Il y a quelque chose là. Parce que j'ai fait un trou en dessous, forcément. Bon, je vais prendre les... Je prends de la viande de menthe là. Mais en tout cas, maintenant c'est plus que de la brume normale ici aussi. Il y a un trou en dessous. À cause des grenades. Certes. Et en plus, là elle est dans la zone d'un feu qu'on avait mis. De toute façon, on va pouvoir l'éteindre ce feu là. Bah, dès qu'on aura été chercher tout ce qu'il y a autour, oui. Hein. T'as trouvé ta viande? Le truc de champignons là, ouais. Ah, et regarde la grande zone qui était toute rouge en dessous, elle est bleue. Elle est plus rouge. C'est parfait. Nickel. Par contre, là-bas, c'est encore rouge. Donc c'est bien. Donc c'est bien ça. C'est. Ah, et peut-être qu'elle devenait de plus en plus bleue en fond, parce que notre niveau était beaucoup plus était proche. Peut-être. Peut-être pour ça qu'elle avait des teints un peu bleutés. Et du coup, on part sur le forgeron. Attends, j'éteins la flamme qui est là. Voilà. Vas-y. On a un puits d'élixir là juste devant, et dans la foulée, on a la demande du forgeron. Bah c'est ça. Je pense qu'on peut aller faire ça. Hein. Allez. Tu me dis si c'est de la brume normale. Hein. Ça a l'air d'aller. Ok. Non parce que c'était une théorie, tu vois. Non mais c'est bien fait ça que la couleur change. En fonction si tu peux y aller ou pas. Et il y a encore plein de champignons à la menthe. Ah bah très bien, bah de toute façon ça doit être le zone de spot. C'est le biome champignon à la menthe. Chouette. Bah, ce qui est par contre, si tu fais le jeu dans l'ordre, donc pas ce qu'on a fait au début du jeu. Ah. Et ben, ça a l'air d'être relativement
tu trouves, t'atteins le bon niveau, t'arrives à trouver ce qui te manque en fait. C'est vrai. Donc il est, à ce niveau-là, il est bien pensé. Bah, faut peut-être qu'il y en ait qu'un seul qui en prenne, non? Oh ouais, bon, pour l'instant, tu sais, j'ai trois, j'ai encore une fois trois lignes de vide, donc aïe. Lui, il a pas de ligne de vide apparemment. Celle-là, j'étais pas obligé de la prendre. J'arrive. Le créature des enfers. Oh, il y en a un gros là. Cool. Ah, un gros. Un grand gros. Alors, il en faut 20, je pense qu'on les a largement. Mais ça va certainement nous être utile pour d'autres trucs. Oh oui, bah on peut faire de la bouffe avec, certainement. Ouais, il y aura certainement un truc comme ça. Après, un truc qui pousse dans la brume. Pas forcément sûr, non? Je crois que j'ai trouvé l'entrée. J'arrive. Je coupe des champignons, maman. Oh, niveau 20, merci. Il y a un achievement d'ailleurs quand on arrive au niveau 20. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ah oui, je pense que c'est l'entrée, oui. Oh, ils volent maintenant. Oui, bonjour. Mais il était en train de mourir tout seul, c'était très très drôle. Par contre, ce que j'aime bien dans le jeu... Oh, il est solide lui. Il a une armure. Ce que j'aime bien dans le jeu aussi, c'est qu'on voit quand les aurales s'allument. Attention, oui. Missile. Ah. Là, t'aimes pas quand t'as le cri, toi. Ah non, mais puis j'étais juste en dessous, là. Y'en a une autre ? Faut que je baisse le son du jeu. Et on a rien à foutre de ma gueule. Ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas, moi j'aime ça. Bah ouais, je peux la tabasser. Allez. Parade parfaite, quel talent. Des barres d'étain. Hein ? J'ai failli tomber dans le trou. Ça pique. Bon, je suis prêt à descendre dans le puits de l'éternité quand t'es prêt. Voilà. Je termine avec les embrumés. Voilà, voilà. On peut pas le laisser 5 minutes tout seul, il faut qu'il trouve des jouets. Ah ouais, je sais bien. Et il m'a acheté une grenade, je vais pas le... Hein. Ça va, tu vas bien? Oui, oui, ça va. J'ai été un peu poussé aussi. Je pensais bon, qu'il y moi avait je t'attends, hein. Je suis prêt. Hein. J'ai failli mourir dans l'explosion. Je sais. Peut-être ressortir un petit coup de la brume. Chien, tais-toi. Voilà. Et d'abord, tu me parles pas comme ça. Moi, c'est Monsieur Chien. Pardon. Ah, ça va encore être un truc de combat. Tu crois ? Oui, je pense, oui. J'ai jamais vu qu'il y avait une fleur. Il y en avait même deux. Ah ouais. Hop là.
Alors, je vois la truc d'ici, mais... Oh, exactement le boss qu'on vient de tuer. Ah ouais? Ah ouais, il est là. Regarde. Ah, sympa! Et il a une barre de vie de boss, hein. Aïe. Aïe. Vas-y. Il fait un bouclier d'énergie, mais projectile ne passe pas. Ah ouais? Ouais. Ça là, tu vois, Gan, la grosse boule là. Je peux plus tirer de flèche dessus. Quand il fait ça. Et la magie, par contre, yes. Passe. Elle. Viens donc, viens donc. Oh. Non, c'est bon. Ah. Ok, t'as enlevé la brume, très bien. Ouais. Ah. Je tanque, j'essaye de tanker. Alors ce qui est bien, c'est de le combattre en dessous de ce truc là. C'est que bah, la moitié de ses 80% de ses projectiles tombent dans le vide. C'est quand même vachement pratique. Bon, tu vas crever, saloperie. Non, mais on sait que t'es moche et que tu sers à rien, mec. C'est bon. Voilà. Donne-nous ta tête. Ça, c'est fait. Un anneau de mana. Oh, mais les bottes que j'utilise. Attends, parce que... Très bien. Ouais, pour moi, il était en train de se relever. Non, non. J'ai sa vie qui était en train de remonter. Ah, d'accord. Un coffre. Alors regarde. Ça c'est regarde de l'étain, bien. Ça c'est de l'étain, ouais. Je m'en suis douté. Tout ça c'est de l'étain. Un coup pour un minerai. Ouais, je te laisse faire parce que moi je suis encore en pioche de pierre. Hein. Cover me. Tout à fait. Il nous faut de l'étain pour améliorer la flamme. Puis de toute façon, il va nous falloir de l'étain pour le stuff. Aussi. Ah ah, tout va bien. En fait, le stuff est vraiment important dans le jeu. Beaucoup plus qu'on ce qu'on pourrait croire. C'est clair. Et ça se voit qu'on a quand même eu un up en se baladant dans le désert. Bah, tant au niveau des armes qu'au niveau de... C'est ça. De la défense, hein. C'est impressionnant, hein. Et je sais parce que j'ai pas l'impression que quand on monte de niveau, on gagne des stats comme des PV ou quoi. Si, t'as la constitution, esprit, résistance, force, dextérité et intelligence que tu peux augmenter via les points que tu dépenses. Oui, mais oui. Au final, ils sont pas. Mais t'as pas d'augmentation. Officine, quoi. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas d'augmentation flat comme dans les JRPG où tu gagnes 5 points tous les 5 niveaux par exemple, tu vois. Mm. Ou tous les niveaux 1 point ou des trucs comme ça.
T'as combien d'étain? Je suis déjà à 20 minerais d'étain, donc on pourra déjà améliorer la... Enfin, je viens de débloquer la brèche, parce que tu parlais de points de compétence. Je suis parti dessus. Et donc maintenant, lorsque je brise un blocage avec des attaques de mêlée, la cible subit 100% de dégâts de mêlée supplémentaires pendant 2 secondes. C'est pas mal. Parce que tu tapes quand même relativement vite, hein. Oui. Avec les armes à une main, on tape bien. Je ramène un peu d'étain. Hein. Allez. Ou à 110 d'XP par... Ah non, c'est 10 d'XP par minerai d'étain, oui. Ok, c'est juste que quand j'ai regardé, j'étais à 70, d'accord. Et 70 d'XP par minerai, ça aurait été pas mal. J'ai cru qu'on pouvait crafter tout de suite la station d'alchimie, mais oui, on peut la crafter, mais il faut le chaudron noir. Bah je l'ai. Bah elle est... Non, elle est craftée, la station d'alchimie, elle est à la maison. Ah oui? Ouais, je l'ai craftée, ouais. D'accord. J'ai pas eu l'info. Où est-ce que t'as chopé le chaudron du coup? Bah sur le boss dans le... Ah oui, sur le boss de l'autre côté, d'accord, ok. Ouais. Ça marche. Et du coup on peut fabriquer maintenant le chaudron noir avec du fer, du cuivre et de l'obsidienne. Donc il y a également du fer dans le jeu et de l'obsidienne. Ouais. Donc le fer, je crois savoir où c'est. Parce qu'il y a le forgeron, il a dit que le meilleur fer était dans la brume, tout à l'est de là où on est. Mmh. Un truc qui s'appelle le creux de fer ou un truc comme ça, et ça doit être là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire un puits. Oui, pour avoir de l'eau à la maison. Ah, j'ai cassé ma pioche. Ça, c'est dommage. Je ramène 46 étains. Attends, est-ce qu'on n'irait pas chercher, faire le truc du forgeron qui est juste à côté avant de repartir? J'ai plus de pioche, c'est toi qui vas devoir piocher si on a des problèmes. Oui, je piocherai. Ouais, bah ouais, on peut remonter, ouais. S'il y a un truc à faire juste à côté, on peut le faire. On va pas être limite niveau temps? Non, je pense pas. C'est par rapport à toi, hein? Oh, ouais, non, ça passe. Ok. Donc, soit creux de l'ombre, soit la demande du forgeron. Comme tu préfères. Bah, la demande du forgeron, non? Ouais. Comme... Je pense pas que ça nous prenne une demi-heure de gérer un forgeron. Bah, ça dépend ce qui est... ça dépend sur quoi on tombe. C'est vrai. Si on tombe sur 15 dragons. Eh ben je t'abandonnerai. Écoute, si on tombe sur 15 dragons, mon petit onche, je me servirai de toi comme bouclier. C'est honteux. Je sais. En plus, c'est déjà ce que tu fais. Oui. Il n'a pas honte de l'avouer. Ah et en plus il y a une chapelle de la flamme, très bien. Alors c'est à 417 mètres vers l'ouest. Yes. Et à l'ouest? Rien de nouveau. Tes objets sont pas trop cassés, ça va? Non. Hop. J'ai mon premier tomahawk qui est mort, mais de toute façon c'est celui qui a 150... Ouais, c'est celui de la matrone. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est le rasoir. Donc c'est pas un tomahawk, c'est un rasoir. Tout à fait. C'est des gens qui y connaissent rien. Alors... Une jolie musique, là. Hein.
Ah bon? Ouais, un peu angoissante. Enfin... Ah, c'est ci-dessus, le truc de la chapelle. Ah, ouais, ça doit être là-haut alors. Ouais. Ça va vite me casser les couilles de monter là-haut. Ouais, je crois aussi, hein. Donc continuons à 160 mètres, hein. Alors... Oh, il y a des beaux effets de lumière, là. Hein. Avec le soleil dans la J'ai brume et l'impression que tout. c'est au-dessus aussi, hein. Ah ouais, c'est au-dessus, ouais. C'est confirmé. Et je crois qu'on pourra pas de Vakin jusque là-bas. Hein. Il y a des chances, hein. Oui, c'est confirmé, oui. Tout est au-dessus de nous. C'est au-dessus. Eh bah écoute, on va remonter vers le nord en espérant que c'est plus mieux que ce soit par là. Bah, il y a l'air. Ah, ou alors un peu au sud, là, il y a peut-être moyen de vaquine. Au sud? Ouais. Peut-être, hein, je ne promets rien. J'y crois pas, là. En fait, c'est que après, c'est vachement abrupt. Mais peut-être qu'en continuant cette crevasse vers le sud, on peut remonter. Ah, j'ai un petit chemin qui sent la noisette Voilà, là. c'est ce que je viens de dire. Vers le sud, là. C'est ça. Et je suis désembrumé. Ok, j'arrive. Bon, il me restait encore 5 minutes, mais... Oui, moi aussi. Mais c'est par ici qu'on monte en tout cas. Yes, nice. Oh, il y a une côte. Une côte? D'Adam ou d'Ève? Je saurais pas te dire. Normalement, c'est celle d'Adam hein, qui traîne. Mais c'est encore plus haut. Ouais. Et je me demande c'était quoi comme type de bait qui a pu laisser ce Une genre grosse. d'os. Oui, non, ça... J'entends ça. Ça j'entends que c'était pas mon chat. Que je n'ai pas d'ailleurs. Mais t'as compris. Waouh. Pas de bait à la maison. Pas de bait à la maison? Non. N'a pas la place. L'inconvénient des petites maisons Bah, de ville. C'est ça, mais puis on veut pas que qu'il soit qu'il ou elle soit malheureux, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que dans l'ancien appart où j'habitais, on avait un appartement de 70 mètres carrés. Ouais. Sans ascenseur. Ouais. Il y a un mec, il avait deux huskies. Ouais, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de motivé. Ouais. Bah, et en plus, tu vois, quand on... Il y avait un parking extérieur. Et à chaque fois qu'on voulait prendre la voiture... On voyait les deux huskies qui passaient leur tête au niveau des fenêtres. Parce qu'il n'y avait pas de balcon non plus. Ah. Et ils passaient leur tête au niveau de la fenêtre, à la rambarde. Et ils nous faisaient pitié. Ah. Et ils avaient l'air tout tristes. Ça a toujours l'air triste, un husky. Non, c'est beau, un husky. Je dis pas le contraire. Ça a toujours l'air heureux. Mais dis-moi, petit chat. Ah, ce sont des... Ah, je suis mort. Oh, moi, bon, il s'en va, hein, écoute. Oh, il a regagné toute sa vie. Bah oui, il est parti. C'est dégueulasse. C'est une honte, monsieur. Lieu atteint. Attention, il y en a un qui est... Ah, t'as pris le plan. Hop. Rafa, vous aviez dit qu'il serait ici avant lundi midi. Eh bien, j'attends depuis des lustres pour récupérer les paquets pour le Oswald Anders. J'ai préparé une charrette et tout le tralala. Comme vous aviez dit que ce serait lourd, tout ça pour rien. Dites au frère Conway d'envoyer un corbeau quand ils arriveront. Donc ça a pas l'air d'être ici.
Non, mais on a fait avancer la quête. Yes. La demande du forgeron maintenant, c'est du côté de la chapelle, tu vois, juste à 50 mètres dans l'autre sens, au milieu de la brume. On en vient. On en vient. Ah. Ah, attention à des pièges. C'est la chapelle, ça? Vas-y, j'y arrive. La chapelle, elle est en haut, non? I can do it. Je vais à la chapelle. Hop là! En fait, il y a un petit chemin qui monte aussi. Ouais, j'ai vu, je suis en train d'essayer de le rattraper. J'ai réussi à l'avoir. Sprint pas, il y a un grand truc pour monter. Un grand truc. Ouais. Ah oui, effectivement, oui. Il y a un petit quelque chose là. Je l'ai. C'est bon pour toi du coup ? Ouais, 3 étincelles. 3 étincelles, c'est beau. Je plonge pour le forgeron. Bah j'y vais aussi là. Yahoo! Le camp Conway. Tchatchung! Voilà. Ils ont pas aimé. Bien, j'avoue, le raccourci pour Creux de l'ombre était une mauvaise idée, mais nous n'avions pas le choix. Ce traînard de Hank s'est endormi, donc nous aurions été en retard aux avant-postes commerciaux du Roche Brûlant sans trouver une solution rapidement et j'aurais perdu ma pièce d'or. Hank s'est endormi pendant que son tour de garde à l'île de Jasper, stupide et dangereux. Nous avons perdu les affaires en fuyant. Peu importe, nous écrirons notre propre lettre et le cadeau, eh bien le forgeron ne saura pas ce qu'il est manquant. Je me suis trouvé un bouclier, mon gars. Ah bah, bouclier de flamme, bloc 14. Je crois qu'on est à l'endroit où... Oh, j'ai des feuilles sauvages. Je sais pas comment j'ai eu ça. Et j'ai des bottes de chevalier. Alors, nous y sommes ou presque? Emplacement ci-dessous. Ouais, ça a l'air d'être par là. On est au bon étage. L'île de Jasper. Ah bah c'était là. Ouf, c'est rouge. Ah. Mais c'est le sol qui est rouge. Oui, oui, par ici. Attention, je sais pas ce qu'on va rencontrer là-dedans. Moi non plus. Il y aurait un boss que ça m'étonnerait même pas. Je vois un gros monsieur. Ah, y'a. Je vois le truc qu'on doit ramasser. Ah oui. Ah, il y a les outils du forgeron, ouais. Ok. Il y a un truc en face, mais... Et un arc. Ben, on a les outils du forgeron, moi. Ah, j'ai trouvé. Où êtes-vous, ma sœur? Très chère Lupa. Lorsque nous avons été séparés, je n'étais plus moi-même. Rongé par la peur, j'ai cherché et cherché pendant qu'il m'a semblé être des jours. Tout ça pour tomber sur Rodalton, le voleur de Creux de l'ombre, qui m'a dit que vous avez été capturé par l'entrepreneur. Bah, on sait qu'il y aura un boss ici alors.
Une faux provisoire. Ouf. Aïe. Attention, il y a un truc qui explose juste à côté. Aïe. Il y en a partout. On est calmé. Par contre, je prends leurs flèches, hein. Attention à toi, il y en a un là. Tous ceux qui étaient à l'habitude de pêcher dans les eaux, c'est... il y a de la corruption plus haut en amont. J'ai vu tous les détails des animaux de la forêt passer par les rapides à l'occasion. Mais hier, j'ai cru que j'avais ferré une grosse prise. Quand je l'ai remonté, c'était un corps putréfié. Sympa. Il y a pas mal de l'or, hein. Ouais, hein. Je sais que on ne s'est pas quitté en bons termes. Et vous savez que je suis mauvaise avec les mots. Quand je regarde le ciel, je me rappelle comment vous m'appreniez à planer. Souvenez-vous combien j'avais peur de sauter et de tomber de la corniche du port. Vous étiez là, vous avez guidé ma main, guidé ma frappe quand je tapais sur mon premier fer les étincelles qui volaient. Je n'ai jamais voulu raser votre forge ni la brûler. J'étais en colère, j'ai un tempérament de mer. Je vous envoie les nouveaux outils de forge. Ah, bah c'est la fille d'Oswald. J'ai pas vu où est-ce que... d'où venait la grenade. Je sais pas. J'ai pas pris de grenade. Ah bah, moi je l'ai pris en pleine poire. Bref. Bon, on sort de là. Attends. Il y a des trucs là. Notre très cher Amber. Où que ton esprit aille, donc, sache que tu as brillé plus fort que la flamme des anciens. Oh, un coffre. Oh, avec des gants de mystique. Eh mais il y a un truc à réchauffer là. Bonjour. Une sépulture choisie. Amber a été trouvée morte au repos de Sura. Ok. Racine de brume. Ah, tu l'as cassée ? Oui. D'accord. Et je pense que si on a tout, on va pouvoir rentrer. Il y a un coffre juste à côté là, de ouais. Moi. Bonjour Emma, c'était dangereux de rencontrer au marché un endroit où vous n'auriez pas dû être. Mm-hmm. Il y avait quoi dedans? Un casque d'oiseleur et puis un tomahawk tout pourri. Bah ouais, je pense qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Voilà qui est fait. De toute façon, moi je suis plein donc... Hop! Retour à la maison. Eh, vite fait, bien fait. C'est ce que j'appelle une expédition. Eh, t'as dit que ça allait pas nous prendre une demi-heure ? Pas loin quand même. Le mystère résolu. Les outils de forge pour moi, c'est bien étrange. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? J'ai une baguette crépitante de feu, 34 de dégâts. Vas-y, mets-la dans un coffre. Une véritable lettre qui m'est adressée. Rochelle, merci sans flamme. Très bien. Hop, parce que j'ai les sacs pleins et je dois poser les outils de forge déjà. Non. Voilà. Donc là, normalement, il a de nouveaux trucs. Non. Bon, juste, on peut maintenant créer ce qu'il fallait, là où il fallait les outils de forge, c'est-à-dire l'ensemble de mercenaires, par exemple. Ah oui.
et l'ensemble de gardes. Oui, donc on a de nouveaux trucs. Oui. Alors... Par contre, il y a du monde qui veut causer là. Ah ouais. Je vide mes sacs, moi. Alors, un métier à tisser. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai eu peur. J'ai failli m'étouffer. Bah, la quête de la fermière, tu verras le nom, et ça m'a fait waouh. Laboratoire, vous connaissez comme étant un alchimiste, mais j'étais avant tout un savant. Avec quelques instruments scientifiques, nous pourrons fabriquer un laboratoire et créer de meilleures teintures de guérison. Waouh. Le journal, les quêtes. Instruments pour le laboratoire. Un enfumoir à ruche, c'est ça ? Ouais, mais avec le nom de la quête, j'ai cru qu'on allait pouvoir faire un fumoir tout court. Du coup, j'étais... Yes. D'accord. Et non. Tu as cœur de fer, a révélé l'emplacement d'une mine de fer dans la brume. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là. C'est parfait. Il y a plein de nouveaux endroits qu'on va pouvoir aller vérifier, aller voir, aller se balader. Très bien. Eh bien nous, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut.